gave up the remix. Lara Fabian, une excellente chanteuse. J'aime pas trop. Belle femme. Bah, elle est mignonne. On s'en fout de son physique, ça n'a rien à voir. Elle a de la voix. Je trouve qu'elle crie trop. Ça lui fait son charme. Beaucoup pensent qu'elle gueule plus qu'elle ne chante. Elle a un petit peu changé de style ces derniers temps. J'ai bien aimé son dernier album. Et je crois que ça a été salué par les médias d'ailleurs. Oui, elle chante moins fort. Parce que je pense qu'au Guignol, ils l'ont tellement traumatisée que maintenant elle chante plus. On n'a plus l'impression qu'elle chante. C'est assez authentique et il y a beaucoup d'émotions. Je t'aime. Je t'aime. Comme un soldat, comme une star de cinéma. Comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Salut à tous, merci de rejoindre Acoustique sur TV5 à la rencontre de l'une des chanteuses francophones les plus célébrées à l'échelle de la planète. Derrière elle, près d'une quinzaine d'années de carrière, mais aussi et surtout des millions d'albums vendus et un nouvel album en toute intimité présenté en acoustique. Merci Lara Fabian, ravi de vous avoir dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Bonjour ou bonsoir, ça dépend des latitudes sous lesquelles nous allons être perçus ou vus. Acoustique, c'est le nom de l'émission, vous êtes un peu chez vous ici. Oui, parce que, me semble-t-il, vous avez commencé votre carrière sur scène avec une tournée qui s'appelait Sentiments acoustiques. Effectivement, tout à fait. Ça fait tout juste 10 ans. Vous en savez des choses. Ah, je sais tout. Et bien plus encore. Alors, cet album s'appelle En toute intimité. C'est plus que le titre de l'album, c'est, oui, semble-t-il, un état d'esprit, revenir à la légèreté des choses, à la simplicité des choses. Un côté plus épuré. En fait, en parlant de l'essentiel, on peut effectivement parler de la création d'une chanson qui est en soi la moelle et la quintessence de la musique. Et c'était pour revenir à cet esprit, à cet état d'âme, cet état d'être qu'on tient de manière presque fébrile quand on écrit une chanson et que ça ne se passe qu'avec un piano. Et encore. Et pas n'importe quel piano, celui de Pierre Grimard qui vous accompagne, fidèle parmi les fidèles. Alors on a bien compris qu'En toute intimité, ça correspondait à un état d'esprit, que c'était la synthèse d'une vaste tournée intime aussi, l'Olympia, le Casino de Paris pendant pratiquement une année, il y a quelques inédits, on va en reparler. C'est un mot qui revient souvent dans votre bouche, intimité, j'imagine que c'est parce que vous voulez la protéger. Voilà. Est-ce que c'est le prix à payer lorsqu'on est hyper exposé, méga, giga, télé, radio diffusée? Vous voulez dire le devoir? Les coups de griffe qu'on reçoit J'ai appris que c'était simultané, oui. J'ai appris qu'il y avait de l'amour et du désamour qui pouvaient exister de manière simultanée. Alors je ne sais pas si c'est un prix à payer, en tout cas ça semble être une réalité. On va parler de cette formule qui vous a accompagné, qui continue de le faire, oui. Acoustique donc, avec un quatuor d'exquise féminité. Vous les avez choisis, c'est ce que me demandait un assistant tout à l'heure, vous avez choisi les personnes qui vous accompagnent au, oui, féminin en fonction de leur bogosité en chantante ou en fonction de leur talent Je pense qu'avant toute chose, en fonction de la musicalité, et puis effectivement, en plus, elles sont bien nées. Voilà. Merci en tout cas pour cette précision. On va écouter un premier titre extrait de cet album, Bambina, qui est l'un des extraits les, oui, plus catapultés en ce moment. Et vous n'êtes pas toute seule, puisque bien accompagnée, oui, à la guitare, oui, par Jean-Félix Lalanne, voilà, que vous allez retrouver sur scène prochainement. Voilà, le 17 novembre. Au Palais des Sports. Alors, autour de la guitare, c'est le concept. Ça fait partie de quoi? Des petites incursions de temps à autre vers, oui, des, oui, effectivement, des terres inconnues. C'est un univers que j'ai rencontré grâce à Morane, qui m'a invité sur un autour de la guitare qui se passait à l'Olympia. Et ce moment de musique se répète. Il y aura Sinclair, M, Georges Moustaki, Hilda Fernandez, Morane, Catherine Lara. Enfin, voilà, je serai là aussi. Et c'est autour de 10 guitaristes exceptionnels. Et le principe, c'est simplement réarranger guitaristiquement les chansons que les gens connaissent et créer un événement musical très éclectique. Et c'est ça, le 17 novembre. Merci de nous en offrir un avant-goût. Rendez-vous donc le 17 novembre prochain du côté du Palais des Sports avec Bambina et toute la famille. Rien qu'un petit espace, une toute petite trace, un petit mal qui reste, tout ce que tu détestes. Je prends ma petite veste, un trait de larme j'efface, les souvenirs terrestres qui
tête, tu verras, on a la même voix. Abîme Adam, ce corps j'ai, ton cœur qui bat. Bambina, Lara Fabian, en toute intimité et en acoustique, à découvrir prochainement, si ça n'est déjà fait. J'aimerais, avec votre permission, revenir sur votre tendre enfance, partagée entre la Sicile et les clubs de Bruxelles, où à 14 ans déjà, on pouvait vous apercevoir sur les scènes, les clubs, les cabarets. Oui. Est-ce que vous aviez une autorisation parentale ? Plus que ça, j'avais un accompagnement. J'avais mon papa à la guitare qui faisait le tour avec moi et qui me protégeait. Et pour quel répertoire ? Jazz, classique ? Oui, assez éclectique. Et puis mon père aimait la country music, donc on faisait un peu de country music aussi. Et il chantait avec moi aussi. Il chantait. Ouais. Alors, c'est à cette époque aussi que vous rencontrez Morane, oui. Que le savent. Quelques années plus tard, mais vraiment, oui, absolument, dans ce cercle-là. Bon, alors, je vais y aller au conditionnel maintenant, parce que parfois, les gens disent des choses et ça n'est pas toujours avéré. Vous écrivez. Oui. C'est votre plaisir, c'est toujours gratifiant d'écrire pour les autres. Mais lorsque, un jour, on reçoit un coup de fil, est-ce que c'est vrai, de quelqu'un de l'entourage de Barbara Streisand pour un titre, quel effet ça fait ? Ah oui, c'est vrai, et ça fait un effet surprise, et un effet, c'est un effet boomerang, parce que c'est une espèce de sentiment presque indescriptible, parce qu'on y croit presque ou pas, voilà, en fin de compte. Et c'est une chanson, c'est une musique et un texte que j'ai écrit avec Walter Afanasieff, et quand j'ai eu la possibilité de savoir qu'éventuellement elle le chanterait. Qui a travaillé pour les plus grands, Mariah Carey, oui, entre ça. Autres. Écrire, donc, c'est gratifiant, on oui. L'a dit. On a bien compris aussi que vous étiez fidèle en amitié et professionnellement parlant. Votre compositeur fétiche, Rick Allison, a fait beaucoup de merveilles à vos côtés. Est-ce que vous êtes jalouse lorsqu'il écrit pour d'autres ? Non, pas du tout. Et puis, de toute façon, en termes de composition, c'est quelque chose qu'on a très souvent partagé. Je suis plutôt mélodiste qu'harmoniste. Et généralement, je me sers de mon instrument pour savoir où les mélodies se placent. Donc, on a toujours partagé la musique et ensuite les textes. Lui, par exemple, lui, souvent, me dit, tiens, ça va s'appeler « Je t'aime » ou « C'est comme ça que ça se produit ». Donc, finalement, c'est une espèce de travail complètement symbiotique. Et la jalousie est un sentiment qui m'habite pas. Dès lors où on aime quelqu'un, on ne peut pas le posséder. Par une forme de jalousie malsaine, c'est ridicule.
Immortel, extrait du dernier album de Lara Fabian en toute intimité, un quatuor, une formule intimiste, davantage dépouillée, qui correspond à un état d'esprit que vous appréciez éprouver en ce moment. Mmh. Hein, vous êtes sicilienne d'origine, belgo-canadienne, on peut dire ça. C'est même une ascendance espagnole, je crois, et française de cœur. Complètement. En général, ce sont les hommes politiques... Québécoise aussi, de cœur. Québécoise de cœur. En général, ce sont les hommes politiques qui s'accaparent le discours de la construction européenne, etc. Vous êtes l'une des plus grandes voix francophones qui voyagent à l'échelle de la planète. Je sais qu'une telenovelas du Brésil vous a starifié aussi, entre autres, grâce à une chanson. Est-ce que vous pensez que la francophonie chantée a une chance face à l'Amérique ? C'est plutôt l'anglicisation. Je pense que la francophonie a toujours eu sa chance de par son identité. D'ailleurs, les plus grands de ce monde se sont exportés devant les Américains, que ce soit Piaf ou Aznavour, ou même les Compagnons de la Chanson à l'époque. Je pense qu'il y a une véritable identité qu'ils recherchent, qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Après, on ne peut pas reculer devant l'évidence qui est que l'anglais est la langue la plus parlée à travers le monde. Il n'en reste pas moins que le français, pour moi, celle qui sonne le mieux. Alors, chacun de vos albums, ou en tout cas la majorité, sont certifiés au moins platine. Comment fait-on pour rester zen, pour paraphraser Zazie, et pas perdre le nord et avoir les pieds sur terre ? Une bonne famille, s'entourer de gens qui font que vous n'oubliez jamais l'endroit duquel vous venez. Voilà. Et qui vous rappelle qu'au moment où vous allez là où vous voulez aller, eh bien, il y a un vrai bagage qui vous accompagne. C'est très important, c'est plus une question d'entourage, je pense, et d'état d'esprit fondé par une éducation qu'une manière de se dire, voilà, maintenant il faut faire gaffe. Je pense qu'on est ce qu'on est, fondamentalement, et que ça, on ne le change pas. Je ne crois pas trop à ce discours qui vise à dire que parce que tout d'un coup, on atteint une forme de célébrité qui est une conséquence en soi, tout d'un coup, on se transforme en un être abject et n'ayant pas la reconnaissance du ventre. Je pense que ça, on est. On ne devient pas quelqu'un en ce sens-là. D'accord, il existait d'autres façons. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider dans ce silence amer. J'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord. Je t'aime.
comme ça. Cette chanson a fait le tour du monde. Je t'aime, Lara Fabian. Véritable plaisir de l'avoir à nos côtés pour quelques minutes encore. Lara Fabian, en compulsant vraiment quelques-unes de vos interviews, vous sembliez dire que les gens perçoivent de vous l'image d'une femme forte et qu'en fait vous êtes fragile et vulnérable. Est-ce que c'était au passé composé ou c'est toujours d'actualité? C'est plutôt passé décomposé. Oui, c'est vrai, mais comme tout être humain, je pense qu'il y a une force de par ce désir de vivre et puis en même temps il y a une fragilité de par les expériences qui mènent à parfois des difficultés ou des échecs. Mais bon, oui, certainement, en tout cas, je l'ai caché très longtemps, cet aspect de ma personnalité. Être une femme très exposée, bien sûr, avec tout ce que cela peut comporter, la pression, le star system, etc., ça ne vous empêche pas d'avoir d'autres desiderata. J'ai même cru comprendre que si vous n'aviez pas été chanteuse, vous auriez donné votre vie à l'enfance et notamment à la criminologie infantile. Absolument, oui. Oui, c'est vrai, parce que j'aime les gens, j'aime particulièrement les enfants. Et aujourd'hui, je me dis que mon métier me permettra peut-être effectivement de diftonguer un peu vers ces environnements-là pour pouvoir servir à quelque chose, être utile dans la vie. C'est trop vous demander, en toute intimité, de vous demander si vous songez déjà à la suite de votre carrière chantante par album interposé. Est-ce que 2004 verra la venue d'un nouvel album labellisé? Oui, absolument. Il y aura un autre album. Oui, il y aura un autre album, mais pas dans notre langue. D'accord. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Est-ce que voir un ami pleurer est toujours votre chanson préférée interprétée par Jacques Brel? Absolument, la plus belle. La plus belle. Vous reprenez Becco et tant d'autres, peut-être celle-là aussi un jour? Pourquoi pas. Merci. Rendez-vous donc le 17 novembre, entre autres, mais si du côté vous du Palais des Sports. Elle y est. C'est pas vrai. Si, mais c'est parce que j'étais bouleversé finalement, donc j'ai perdu un peu de nord. Elle met sur le DVD. C'est pour quelqu'un qui vient du Sud. Ah, c'est pour ça. C'est merveilleux. En acoustique, toujours un plaisir. Lara Fabian, en toute intimité. N'existe plus vraiment. Redevenir le rebelle.
vaincu par l'enfant. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. On a la foi tant qu'on s'endort. La rage au vent. De notre invité, répondez à la question suivante. Vous avez trouvé? Alors connectez-vous sur le site www.tv5.org/musique et bonne chance.